Étienne, Symphorien, Kalala, Balandaï. Tefe du peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanagwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawa Salimi Yanini Ote. Banabetu, Basuwe, Moyoweno, Banso. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, yonso. Ana, Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Bandeko ya Bolingo, tozongeli noki oyezali breaking news, tozongeli likambo ya Paul Kagame. Donc, d'après les dernières informations, Paul Kagame, azalaki na quarantaine, azalaki maladie, donc abimi na quarantaine na ye, akufite aza na bomoi. Alors, donc, on va que faut tes alliés à bas journalistes t'es ni à population à Bongaki na circulation pour ba mona qui est Mbalayasuka en direct boyé depuis le 16 février. Donc, à mon ami Ndenge Tokoki Kolaksabino à partir il y a journal BBC News. Oyo Ezali Paul Kagame, donc Bengaki na journal ya Financial Times, c'est quoi BBC News a publié que à Salaki ba déclaration na Financial Times, Ezali magazine moko ya ba britannique, économique, magazine économique, d'otangamuke comme ça. Il n'y a plus de polémique. Et Paul Kagame a profité. Voilà. C'est pour compléter nos vidéos précédentes, chers compatriotes. Voilà. Nous allons lire. BBC News, Afrique. Kagame s'inquiète de l'impact du coronavirus sur les économies africaines. Publié le 21 avril 2020. Le coronavirus risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les économies africaines, prévient Paul Kagame. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a averti qu'il pourrait falloir une génération au plus pour que l'Afrique se remette du choc de la pandémie de coronavirus 19. Il a déclaré au quotidien économique et financier britannique Financial Times que le continent aurait besoin d'au moins 100 milliards de dollars d'aide de l'étranger. La Banque mondiale a déjà averti que l'Afrique va entrer en récession, la première en 25 ans. Alors que le commerce mondial se contracte et que les prix des matières premières continuent de baisser. Monsieur Kagame a déclaré qu'il était confiant que des progrès pourraient être réalisés suite à ce qu'il a appelé un bon engagement de la part de partenaires tels que la France, l'Allemagne, la Chine et les États-Unis. La semaine dernière, les pays membres du G20 ont convenu de suspendre le paiement de la dette de certains des pays les plus pauvres du monde, dont 40 en Afrique. Voilà. Voilà, chers compatriotes. Les déclarations de Paul Kagame à Lobby. Afrique, peut-être, à quoi se remettre dans 100 ans. Il faudra 100 ans pour se remettre à cause et à impact et à coronavirus. Il y a beaucoup à Lobby. Oui, vous allez BBC News. Ça veut dire que, à profiter. Mais selon membre de la famille, Azalakana.
Zakana Rwanda. Aïe bisi biso en direct par téléphone que Azalaki en quarantaine. Donc à Bikaki, à Bimi, à Bandaki, Peko distribué, ceux qui m'ont dit qu'il y a Kolia, ceux qui m'ont. Donc, ceux qui payent à Koufa, te lingagito se pela parce que tu es biqué. Yé moutou Azali copié pays. Jusqu'à présent, il continue à piller le pays parce que le coltan passe toujours. Le coltan va toujours. Mais maintenant que les prix mondiaux ont baissé, je ne sais pas. Alors, Tosengi n'a pas conzi, va battre la frontière d'Abissoya à l'est. Hein. Pour les militaires rwandais, Bazokota chaque fois, Tozoyoka, mais il n'y a pas de fumée sans feu, hein, de toutes les façons. Voilà, ce n'est pas un démenti. Nous, on avait publié ce que les Rwandais nous envoyaient comme information, qu'il serait mort. C'était au conditionnel, hein. Tout Bandagi, Kolobayon, la conditionnelle. Mais si Koyo, bon. Tout Bandagi, Pekoloba, la raison, parce que Azalaki maladie. Et puis, quarantaine, Yamoulaï. Voilà, chers compatriotes, tous ceux qui ont un Azalaki, Kaka, Breaking News. Bon, les en anglais, là, qui si, bon. Na Katikat, y a pas d'information. Kokat, y a pas d'information. Donc, il y a Mokoussé. Voilà, au revoir, chers compatriotes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.